Bienvenue à la Minute des Chroniques de Laurent Gouton. Aujourd'hui, je vous parle de la femme ours. Bienvenue à la Minute des Chroniques de Laurent Gouton. Aujourd'hui, je vous parle de La femme ours de Carolina Ramquist, un roman original et très attachant publié par les éditions Buchet-Chastel. Dans La femme ours, on suit deux femmes qui vivent à plusieurs siècles de distance. La première, qui est aussi la narratrice, est une journaliste et écrivaine suédoise, mère de trois jeunes enfants, débordée, déprimée au cœur du long hiver nordique. Alors qu'elle lutte pour trouver l'espace mental et physique pour écrire et travailler, elle découvre l'histoire véridique de Marguerite Delaroque, la deuxième héroïne de ce roman. Marguerite Delaroque est une jeune femme française embarquée sur un bateau vers le Nouveau Monde en 1541. Pendant la traversée, on découvre qu'elle est enceinte et on l'abandonne sur une île de l'Atlantique avec une servante et le père supposé de l'enfant. Tant le nourrisson que ses deux compagnons meurent rapidement dans cet endroit hostile. Mais Marguerite Delaroque, elle, survit deux longues années à la merci des animaux sauvages et de la nature avant d'être secourue par des marins. On raconte que lorsqu'on la trouve, elle n'est vêtue que d'une peau d'ours. Carolina Ramquist mêle dans ce beau roman une vision très personnelle, voire crue de la maternité, une réflexion sur l'écriture et le féminisme à une enquête minutieuse, passionnante entre la France et la Suède pour tenter de retracer l'histoire incroyable de Marguerite Delaroque. Enfin, quelle belle page de pure nature writing lorsqu'elle décrit la confrontation de Marguerite à la nature ou la sienne à l'océan ou au soleil qui revient enfin après ce long hiver nordique. La femme ours possède la plus belle des qualités pour un roman. Il montre comment l'imagination, encore et toujours l'imagination, la sororité et l'empathie pour un autre destin humain vous sauvent de toutes les formes de mélancolie. Cette chronique vous est proposée par Isabelle Falconier et les chroniques de Laurent Gouton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne.